La Bourse régionale des valeurs immobilières expose à Bobo-Dioulasso ses nouveaux mécanismes aux hommes d'affaires de la région de l'Ouest. À l'occasion, ils ont eu des informations sur ce qu'est le marché financier et la bourse, sur comment aller vers la bourse et pour des placements ou encore pour chercher des financements. On voit cela avec Amadou Lougué. Les hommes d'affaires de Bobo-Dioulasso face au premier responsable de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. L'enjeu de la rencontre, mettre à la disposition de ces acteurs économiques les nouveaux mécanismes de la Bourse régionale, une institution encore mal connue dans la communauté des affaires. Si vous avez de l'or et vous ne savez pas le vendre, il resterait considéré comme du métal brut. Aujourd'hui, on va dire merci à la BRVM qui a consacré toute une semaine juste à porter l'information et l'essentiel à notre communauté d'affaires et aussi être en mesure de les accompagner dans les financements structurants au développement de leurs affaires dans notre région. Qu'est-ce que c'est que le marché financier et la bourse? Comment aller vers la bourse pour placer son argent ou pour chercher des fonds et développer ses affaires? Autant de questions qui trouveront leur réponse au cours de cette formation sur le marché des bourses. La bourse est juste un marché où s'achètent et se vendent des actions et des obligations. C'est aussi un lieu où les entreprises peuvent venir collecter des financements à long terme, et je dirais même à très long terme, pour financer leur développement, pour financer leurs activités. Pour les entreprises et les États, c'est un endroit où on peut aller chercher des financements pour construire des routes, par exemple, pour les États, ou pour développer les entreprises pour ce qui est des sociétés. La Bourse régionale des valeurs mobilières s'offre ainsi aux opérateurs économiques comme un nouvel instrument pour diversifier leurs sources de financement, surtout qu'elle vient de créer un compartiment consacré uniquement aux petites et moyennes entreprises.